Bonjour à tous. Merci de me rejoindre pour ce webinaire pour Evisto. Dites-moi, est-ce que vous pouvez me dire dans le chat, dans Converser, si déjà vous m'entendez bien? Si l'audio fonctionne bien. Ah, super. Merci beaucoup. Bon, ben, j'espère que vous allez bien en tout cas en cette période de confinement. Comme vous voyez, je suis également en télétravail. Sans perdre plus de temps, je vais vous partager mon écran. Je vais couper la webcam pour se concentrer à 100% sur le logiciel et sur la présentation. Format de 40 minutes à peu près. Je pense que la présentation va durer une trentaine de minutes. À la fin, je vais laisser 10 minutes pour les questions-réponses. Donc, n'hésitez pas même à les poser tout du long pour ne pas les oublier. Cette vidéo également est enregistrée. Donc, vous aurez la possibilité de la revoir plus tard. Alors, pour commencer, très rapidement, une petite présentation pour présenter l'entreprise Revisto, la raison pour laquelle on fait ce qu'on fait, pourquoi on développe ce logiciel, quels sont les enjeux aujourd'hui de la digitalisation dans le bâtiment. Et puis, tout de suite, on va rentrer dans le vif du sujet et dans la démonstration de la plateforme en elle-même. Voilà ce que je vous disais, la présentation de l'entreprise. Ensuite, on va voir comment créer un projet Revisto rapidement. Je ne vais pas trop rentrer dans le détail. Aujourd'hui, on va le voir sur Revit. On a possibilité de le faire avec tous les autres logiciels de conception avec lesquels on a un plugin. Ensuite, on va parler de la navigation 2D, 3D dans Revisto, la manière de créer des remarques, les conflits dans Revisto, donc comment on les importe et à quoi ça sert et comment on utilise les clashs dans Revisto. Et puis pour finir, on va regarder comment sont créés les rapports. Revisto, en deux, trois chiffres, créé en 2008, on est présent sur 150 pays à l'international avec 150 000 utilisateurs à travers le monde et un taux de renouvellement de licence qui est de l'ordre de 98%. J'aime bien ce chiffre, il montre que Revisto est très utilisé et très pratique et il est très parlant. Ici, une liste qui est non exhaustive de nos clients, de nos utilisateurs. On voit en France, par exemple, qu'on travaille avec Bouygues, avec Vinci, Lidl, Artelia et bien d'autres. Ce qui est intéressant ici, c'est de voir la disparité de types de clients. Donc, on a des entreprises générales, des architectes, des BET, mais également des clients, des développeurs. Donc, chacun trouve son intérêt dans la plateforme et tout le monde va communiquer depuis Revisto. Ici, c'est un graphique qui représente un peu ce que nos clients vivaient et peut-être ce que vous vivez. D'ailleurs, n'hésitez pas à commenter dans le chat si c'est quelque chose dans lequel vous vous retrouvez ou finalement, on perdait un peu de temps sur tes moyens de communication, que ce soit en phase de synthèse, en phase de développement, de pré-développement ou même d'exécution. Ou parfois on imprime des plans, on va les annoter, on va les scanner ou les prendre en photo. On fait parfois aussi des screenshots qu'on va annoter également ou qui sont suivis d'un mail. On s'envoie également des fichiers type BCF, IFC ou autres. Et tout ça sont des processus qui prennent un peu de temps, qui parfois mènent à des confusions. C'est déjà arrivé, je pense que ça vous est déjà arrivé, une erreur de calcul d'un ingénieur, et puis finalement on n'a pas vu que la réservation n'était pas au bon endroit. Et puis, ça peut arriver à tout le monde. Donc l'objectif, c'est de réduire ce temps déjà,
de communication, c'est aussi de conserver un historique de toutes les remarques, de tous les sujets sur lesquels on peut aborder dans des réunions techniques ou même pour aller beaucoup plus loin en phase d'OPR, par exemple, sur du relevé de défaut. Et puis, c'est également, avec toute cette donnée-là, de pouvoir la compiler et puis l'analyser et ne pas forcément refaire les mêmes erreurs ou tout simplement s'améliorer sur des axes en particulier. D'où l'analogie avec le couteau suisse. C'est là qu'on se positionne donc chez Revisto. C'est tout simplement de gagner du temps, augmenter en productivité et en compétitivité. D'ailleurs, on appelle ça en anglais le context switching. D'ailleurs, voilà, une petite slide en anglais, hein, ça fait jamais de mal. On peut jusque, donc, suivant ce process-là, on peut perdre jusqu'à 40% en productivité, soit 2 heures par jour. Donc, nos clients nous rapportent qu'ils peuvent gagner jusqu'à 1 heure par jour grâce à l'utilisation de Revisto. On voit là à peu près pour les enjeux sur ce domaine-là. Ça, c'est une liste des plugins et des formats qu'on supporte. Comme je vous disais, on va regarder comment créer un projet depuis Revit, mais on peut le faire depuis Navisworks, depuis Civil, depuis Archicad, AutoCAD, Vectorworks. On supporte également les BCF et les IFC et les nuages de points également. Donc, si vous avez des projets qui sont scannés en nuages de points, pardon, on les supporte tout à fait. Voilà pour la présentation. N'hésitez pas s'il y a des questions, je reviendrai dessus tout à l'heure. Dans le vif du sujet, vous devez reconnaître sûrement Revit. Alors, je ne vais pas aller dans le détail et puis surtout, je ne suis pas un expert Revit. Et ça prouve à quel point l'utilisation du plugin elle est très simple. Donc, sur ce projet donné, ici, vous voyez dans la barre en haut, le plugin Revisto. Il suffit d'aller dessus et on a 5 possibilités. Donc la première chose que je veux faire, c'est exporter les modèles. Donc là, quand on crée un projet, on va l'ajouter comme un nouveau modèle. Donc on va pouvoir sélectionner toutes les différentes maquettes, même les maquettes qui sont liées. Et ici, toute une série d'informations, dont d'ailleurs les feuilles d'exportation. Donc ça va nous intéresser tout de suite après. Ici, je ne vais pas le faire, hein, je l'ai déjà fait. Comme ça, on ne perd pas de temps. Donc là, vous voyez l'application Revisto en elle-même, donc le logiciel qui est installé là sur mon bureau. Et le projet est déjà ouvert. C'est à ça qu'il ressemble finalement une fois que je l'ai exporté. Dans Revisto, on a 3 modules principaux qui vont se trouver ici en haut. Donc le module 2D, le module 3D et le module de suivi des problèmes. Si je vais voir ce qui se passe dans la 2D, je récupère du coup toutes les feuilles qui viennent de Revit. Et du coup, je récupère également l'arborescence. Donc là, si je vais... Allez, sur le premier, hein, tout simplement. Une des choses qui est intéressante, c'est la récupération des coordonnées X, Y, Z. En fait, on ne va pas récupérer un plan tout bête, si je peux dire. On récupère l'intelligence qui vient de Revit. Ça nous permet, par exemple, donc là, si je discute avec un collègue et on a besoin d'aller dans le modèle pour une raison ou pour une autre. Ici, avec ce bouton 3D qui se trouve en haut, il me permet, donc il met le plan en surbrillance. Vous voyez, il m'indique que cliquer pour être téléporté. C'est ce que je vais faire. En un clic, il me téléporte dans la bonne pièce. Donc là, on peut faire les vérifications qu'on a à faire. Ça nous permet également d'autres choses, cette reprise des coordonnées. Et ça, c'est assez unique à Revisto. Vous voyez ce bouton vert ici. Si je clique dessus, il me permet de superposer
le plan 2D au modèle. Du coup, j'ai toutes les informations qui proviennent de la 2D et je peux aller voir si tout est bien aligné. Et ça, je peux même le faire sur des élévations, pardon, sur des coupes. On peut le faire sur toute la partie du bâtiment. Ça, c'est pour la reprise des coordonnées, mais elle va nous intéresser également à d'autres, sur d'autres niveaux. J'y reviendrai un petit peu après. Donc, l'objectif, vous l'avez bien compris, c'est la visualisation donc, des maquettes 3D et des maquettes 2D, mais c'est également la communication, donc pouvoir collaborer et échanger sur le projet. Donc là, avec le petit bouton plus qui est ici, je vais pouvoir super facilement aller annoter un plan. Ici, ce markup que vous voyez, le petit carré bleu, il n'est pas sur le plan, il est dans l'espace. Donc, encore une fois, les coordonnées qui sont récupérées. Par contre, je vais pouvoir également marquer le plan, si besoin, voilà, d'ajouter un petit peu de contexte. Je dis n'importe quoi, hein. Mur à déplacer. Ici, terminé. Je ne sais pas si vous avez remarqué, du module de 2D, je suis passé au module suivi des problèmes. Et en fait, ici, je viens de créer du coup une remarque qui est celle-ci, ID40, qui est en surbrillance. Sur la colonne de droite ici, on a toutes les informations qui concernent cette remarque en particulier. Du coup, pour l'instant, elle est toujours ouverte. Je peux la passer en cours. En général, la première chose que je veux faire, c'est la signer à quelqu'un. On va dire Julien Blanchard. Si vous avez entendu le petit ping, c'est tout simplement parce que j'ai mon iPad à côté de moi et je suis connecté en tant que Julien Blanchard sur mon iPad. Donc, Revisto déjà donc, est compatible sur tablette iOS, iPad et Android et sur PC. Du coup, là, je vais me mettre sur mon iPad. Et je vais répondre à cette remarque. C'est pour vous montrer finalement que c'est quasiment du live. Donc là, c'est bien moi, Tristan, qui ai créé cette remarque et Julien qui a répondu depuis l'iPad. Donc quand les deux personnes sont connectées au même moment, c'est quasiment une messagerie instantanée. Et pourtant, on n'est pas obligé d'être connecté. On peut tout à fait travailler sur chantier en mode hors ligne. Et puis quand on vient récupérer la Wi-Fi, les données se synchronisent. Mais bon, là, comme j'ai mon iPad et le PC à côté, tous les deux connectés, on voit tout de suite la conversation qui s'affiche. Je reviens aux coordonnées. Du coup, là, vous avez bien vu que j'ai créé cette remarque sur un plan 2D. Avec les boutons qui se trouvent ici à ma droite, je vais pouvoir switcher et aller voir cette même remarque dans le modèle en 3D. Également, le fait que les coordonnées soient reprises automatiquement, il va montrer la remarque que j'ai créée sur tous les plans, là sur les plans techniques, qui concernent ce même niveau. Donc, du coup, ça, je sais que mes clients trouvent ça vraiment pratique. Le boulot est fait qu'une seule fois et on voit la remarque là où on est censé la voir. Une autre chose qui est intéressante avec Revisto, c'est qu'ici, je vais revenir dans Revit et je vais aller lier le projet.
Donc là, il me réouvre Revisto. Et ce que je vais faire, je vais cliquer ici, vous voyez, sur ce rectangle qui est en surbrillance, donc qui correspond à la remarque que je viens de créer. Et j'ai juste à double-cliquer ici dessus, ce que je viens de faire. Et en repassant dans Revit, on voit qu'il m'a ouvert le plan. Donc, c'est un côté un peu pratique, pouvoir switcher de Revit à Revisto quand on est chef de projet ou projeteur ou qu'on a besoin de faire des modifications, tout simplement. Alors, ça, c'était pour la partie 2D. Également, on va pouvoir superposer des plans. Je ne vais pas vous montrer parce qu'on va peut-être... On va peut-être manquer un peu de temps, mais en gros, on peut superposer un plan archi, un plan technique, et puis aller vérifier que tout est bien imbriqué. Plusieurs façons de naviguer sur la 3D. Donc tout simplement avec la souris et puis les flèches du clavier. Il n'y a vraiment pas besoin d'être un geek pour naviguer dans Revisto. Si j'y arrive, tout le monde peut le faire. Ah, alors là, je ne sais pas si vous avez entendu le ping. Ah, mon collègue Rhys Lewis m'a répondu ici sur la conversation. Il a changé également le statut de cette remarque à en cours. Donc là, je suis notifié que il est en train de bosser sur ce sujet. Donc c'est tant mieux. Rapidement sur la navigation. Ici, je suis passé sur le mode map, qui est pratique aussi sur iPad quand on est sur le terrain. En fait, les zones qui sont dans Revit sont définies ici. Donc, on a cette arborescence-là. Et puis, j'ai juste à aller cliquer pour me téléporter, encore une fois, dans la maquette. Du coup, c'est assez pratique. Les objets, on peut double-cliquer dessus. On récupère tous les paramètres de Revit. Et ce que je voulais vous montrer, c'est la possibilité. Moi, je profite que Rhys soit là. Il m'invite à suivre sa caméra. Ici, là, je ne touche plus à rien. Et c'est lui qui va me montrer ce qu'il a montré sur le projet. Donc là, lui qui est en Angleterre, il peut venir me montrer. Des sujets sur lesquels on travaille ensemble. Voilà, il a créé une boîte. Il voulait montrer ce clash-là. On remonte la superposition des plans. Et si je veux, je peux moi lui demander également le contrôle. Donc là, c'est moi qui vais lui montrer ce que j'étais en train de faire. Voilà, on peut partager l'écran et puis se suivre. C'est pratique quand on est à distance. Et puis, c'est pratique surtout de nos jours et dans la situation actuelle. Ici, j'ai sélectionné plusieurs objets. C'était pour vous montrer comment je peux créer justement une boîte. Donc ici, on peut aller lui donner autant de matière qu'on veut. Et je vais créer une remarque. Donc, comme tout à l'heure, j'ai créé une remarque sur le plan 2D. Ici, je vais le créer sur le modèle. Donc, comme tout à l'heure, là, je peux quand même la noter. Et donc ici, elle apparaît là. Donc, c'est la numéro 41. Donc, de la même manière, on retrouve les infos de cette remarque. Et comme tout à l'heure, donc, je suis passé de la 2D à la 3D. Et ici, je peux passer de la 3D à la 2D.
Vous voyez, on voit que la remarque elle contient un cube, ce qui nous indique qu'elle a été créée depuis une maquette 3D. Et de la même manière, ici en double-cliquant, il crée dans Revit la vue isométrique de ce même objet. Du coup, le flux de travail BIM, il est plus perdu. Et puis, j'ai plus besoin d'email, j'ai plus besoin de contexte, d'explication. Tout est à disposition finalement. Voilà pour les remarques en 3D. Une autre façon de naviguer que je trouve pratique, c'est celle pièce par pièce. Voilà, je peux aller d'une pièce à l'autre. Ici, avec le mode de placement de tampons, ce qu'on appelle les tampons, en fait, sont des remarques type que vous pouvez créer au fil de l'eau, ici. Et qui sont des remarques récurrentes ou autres. Donc là, par exemple, on peut créer également des catégories. Donc tout ce qui est conception, donc conception en archi, en électricité, tout ce qui est construction. Donc, je prends n'importe laquelle, remarque maquette, et j'ai juste à la sélectionner et à la placer au bon endroit. Ici, on va retrouver donc les informations que je vous ai montrées tout à l'heure, sauf qu'elles sont déjà pré-remplies. Donc, on voit qu'ici, il a déjà une couleur, une abréviation, une priorité qui est déjà automatiquement paramétrée, et la personne à qui incombe cette tâche est également déjà annotée. Donc, je gagne énormément de temps. Je gagne énormément de temps sur cet aspect-là, mais également sur le terrain. Je pense beaucoup à chaque fois aux opérations préalables à la réception, parce que c'est souvent des remarques qui sont répétitives. Et puis, on perd beaucoup de temps à faire des rapports, à les compiler, à s'envoyer des Word avec des photos, etc. Donc là, on va pouvoir le faire quasiment en instantané. J'ai juste deux clics. Donc c'est la même chose sur iPad. En deux tapes, je choisis la remarque, je la place. Ici, je peux prendre la photo et c'est fini, quoi. Autre chose qui peut être pratique également dans la navigation, c'est pouvoir. Donc ici, on a la liste de tous les objets de toutes les familles qu'on peut venir mettre en transparence. On a même un système de filtre ici, donc des liens. Je viens ici mettre tout en transparence. Donc je sais que ça peut être c'est utilisé, ça paraît tout bête, mais c'est super pratique. Ici. Donc tout est en transparence. Ici, je vais mettre le réseau plomberie en surbrillance. Et puis, je vais me créer un point de vue. Voilà, j'en avais déjà créé un. Donc, j'en crée un deuxième. Là, ici, j'avais créé une coupe. Superposé. Et voilà, c'est juste pour vous montrer le retour à cette vue que je viens de créer. Alors, dans l'agenda, j'avais dit que je parlais des clashs. Alors ici, on voit, donc ici, là, je suis sur le module suivi problème. Ici, je m'étais créé des filtres. Des clashs qui ont été importés de Navisports. Alors, il y a plusieurs avantages au fait d'avoir nos conflits dans Revisto. Le premier, c'est déjà de tout avoir sous la main.
On a tout sur une même plateforme, c'est assez pratique. Le deuxième, c'est que les conflits, les clashs, ils vont réagir comme des remarques révisto. Vous voyez ici ce clash, il a un état, il peut avoir une personne assignée, on peut même lui ajouter des observateurs. Un observateur, c'est un peu comme quelqu'un qui est en copie d'un email. Et puis, donc, comme une remarque, on va pouvoir communiquer sur ce clash. Et du coup, tout l'historique de ce qui s'est passé sur ce conflit va être sauvegardé. Le troisième avantage, et pas des moindres, c'est que, encore une fois, comme on récupère les coordonnées des éléments, eh bien, je vais pouvoir aller voir le conflit dans le modèle directement. Donc, ici, avec le petit ciseau. Donc là, je vois où il est. Et si ce n'est pas forcément très clair parce que ça peut être un peu fouillis dans le modèle, eh bien je peux même aller le voir en 2D. Donc là, il n'y a pas de doute, je sais exactement où il est situé. Alors, je ne sais pas si comment vous communiquez sur ce type de sujet. Je sais que j'avais beaucoup de clients qui utilisaient beaucoup de screenshots ou de BCF. Et juste le fait de changer un peu sa manière de travailler, d'importer ses clashs dans Revisto, ça leur a enlevé une grosse épine du pied. Pour terminer, j'avais dit qu'on parlerait des rapports. Donc, vous l'avez bien compris, une des premières façons de communiquer, c'est dans Revisto directement. Mais si on a besoin, et puis on en a toujours besoin, de créer des rapports pour les envoyer ou pour les archiver, ici, en fait, avec la petite enveloppe, on va venir ouvrir l'espace web du projet. Et on va pouvoir créer n'importe quel rapport. C'est vous qui gardez la main. Donc là, par exemple, je vais définir des règles. Donc, tel ou tel statut, par ordre de priorité, par délai, tel ou tel clash, etc., etc. Donc, je fais vraiment ce que je veux avec les rapports. Une fois que j'ai défini les règles, je décide de les générer en PDF ou en Excel. Et puis je peux les envoyer, je peux les télécharger, etc. Et donc là, dans ces rapports, on va récupérer toutes les infos qui sont dans Revisto. On a également la possibilité de créer des tableaux de bord. Et là, de la même manière, c'est vous qui les créez. On fait vraiment ce qu'on veut avec ça. Là, par exemple, on voit le nombre de remarques par bénéficiaire et par statut. Donc, on voit que moi, j'en ai 56 qui sont à ouvrir. Ici, on voit celles qui sont par priorité. Là, j'en ai 31 qui sont critiques. Mon collègue Rhys en Angleterre, il en a 77 qui sont critiques. On a peut-être besoin de coup de main. J'ai l'impression qu'on est un peu débordé. Voilà, donc ça, on fait ce qu'on veut. En plus, c'est dynamique. Donc, à chaque fois qu'il y a un changement de statut ou un changement dans le projet, automatiquement, la modification va se faire ici sur les tableaux de bord. Il me reste 1 minute. De toute façon, suivant les questions que vous avez, je vais sûrement peut-être revenir sur un point ou deux. Ça peut être intéressant. C'est pas quelque chose qu'on voit tout le temps. Ici, on peut ajouter dans les objets. Donc, ça, c'est mon collègue qui a créé un objet avec le logo Revisto et qui a ajouté des liens dynamiques dans les paramètres. Du coup, ils apparaissent ici quand je double-clique dessus. Et ils sont cliquables. Donc ça peut être pratique pour des fiches techniques d'équipement par exemple. Ou même un lien Google
Google Drive pour tel ou tel document ou pour échanger sur un document ou que sais-je. Très rapidement, j'ai deux, trois remarques qui sont un peu plus réelles, donc qui peuvent vous donner aussi vous des idées sur comment utiliser Revisto. Là, par exemple, donc cette personne, elle a créé une remarque sur le faux plafond du modèle, et puis elle a ajouté des photos 360. Celui-là, il est intéressant. Donc là, en fait, la personne décide ou annote qu'il faut supprimer les colonnes et puis ajouter une balustrade. Donc elle fait un petit schéma à main levée ici directement dans Revisto. Et en fait, quand on vient switcher en 3D, donc sur le modèle en lui-même, on voit que la balustrade, elle a bien été dessinée. Donc le cheminement, en fait, il est là. Donc là, il crée la remarque, il dessine dessus, on vient vérifier et c'est bon. Donc là, on pourrait même changer l'état de cette remarque et la passer en résolu. Là, un dégagement de porte qui vient de Solibri en plus. Donc c'est bien, ça montre un autre logiciel avec lequel on est compatible. Et puis on peut même aller switcher encore dans le modèle et aller voir ce qui se passe. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que j'ai été clair. On va passer aux questions-réponses. S'il y en a, je vais arrêter de partager mon écran. Ah ben mes collègues ont déjà répondu aux questions, donc ça c'est top. S'il y a d'autres questions, n'hésitez pas. Je vais rester encore 5 minutes, si besoin. Je vais peut-être vous remontrer. Sur un plan. Voilà, c'est super pratique parce que comme on peut annoter aussi à main levée, parfois c'est. Juste pour des petites bricoles, voilà, bah tiens, quelle révision. Ici, donc c'est un défaut, tout simplement. Voilà, les remarques, ça peut vraiment être un petit peu tout ce dont on a besoin, quoi. Ça peut être des questions, ça peut être un défaut, ça peut être une remarque. On fait vraiment ce qu'on veut avec ça.